des affaires qui sont pour avec installation et nouveau OK nouveau directeur et Normil Rameau. OK, et l'important pour que nous fassions nouveau DG la police là et nouveau DG la police là et l'important pour que nous faire regarder et comment ça la santé faite, qu'est-ce qui prend la parole, qui ça t'a dit, comment et qu'est-ce qui t'a déroulé. Mais naturellement, on nous garder li jodi an qui c'est sur plateforme YouTube Info Betoa. Mais papa ici n'a mandé ou regarder le crédit vidéo pour Radio et Télé Guinée. Discours 21 octobre 2021 et 21 octobre chef de gang 21. Chef de gang sortant qui c'est Normil Rameau, alors pardon et désolé, chef de gang sortant qui c'est Franz LB avec chef police sérieux, l'homme compétent, nèg avec caractère qui c'est Normil Rameau. Nous va attendre Normil Rameau par la suite et il a fin table de plusieurs et l'autre taureau qu'il a. Et nous tout d'abord on attendé volo cap sorti a on nous attendé volo cap sorti a. Et puis par la suite, nous allons attendre l'autre autorité. Et puis, pour nous finir, nous allons attendre directeur Normil Rameau dans la déclaration qu'il va faire. En avance. Mais M. Luc Mandelil là, oui. M. Luc Mandelil. M. Luc Man là. Et M. Luc Man. Nous dit bravo. Parce que si M. Luc Man est capable d'éviter, pour moi-même. OK, M. Luc Mandelil là, et ancien ministre de justice, ancien commissaire du gouvernement, me dit bravo. Monsieur que c'est Normil Rameau qui t'a invité lui. On va regarder comment ça t'a déroulé dans salle là. Ici la pile, elle était complexe. On avance. Contexte sécurité pays là. C'est difficile en pile. Et même situation interne institution la police là, c'est difficile en pile. Situation était complexe. Mais nous te prenons travail nous avec un esprit de sacrifice et engagement dans la lutte pour la paix et la sécurité pays. Qui côté? Pour nous servir, protéger la population. Oui, écris pour moi. Regardez, écris, parle avec pour moi dans l'espace commentaire. Parle avec pour nous sans filtre. Tout le monde qui a écrit dans l'espace commentaire, parle à monsieur pour nous. Et épanier. Protéger maman, protéger papa, protéger famille. Mais parle avec chef de gang ça. Parle avec nous. Sacrifice pour que nous toujours mettions devant intérêt collectivité. Après, nous avons intérêt personnel. Nous pouvons. Qui pouvons? Qui te le parle? Sacrifice, dans un moment douloureux, côté désespoir paraît à clair dans la population. L'enjeu international là par rapport à derniers événements là. Mais grâce à l'unité qui gagne dans la police là, le commandement de la police là, dans différents niveaux en dans la police là, nous devons être nous ensemble pour nous contrer et pour nous bailler support nous pour pays pas tomber plat à terre net. Et bay pays a yon l'autre opportunité pour que différents secteurs en dans vie nationale là kabe tèt yon ensemble pour que ka retourner sous route démocratique qui fait nous venir un conseil présidentiel qui installe dans palais national avec risque et péril. Nous venir un premier ministre, nous venir un gouvernement. Donc ça bail l'espoir à une reprise d'activité dans tout domaine yo. Donc gon amélioration qui fait et ça bail l'espoir que tout secteur ka mette ensemble pour que nous emprunter voie développement pour pays ya. Mais il mande en plus sacrifice. Il mande pour intérêt collectivité ya vin avant intérêt personnel. Nous faisons pile sacrifice. Pour patria. Qui pas qui sacrifice vont les affaires monsieur. Pendant toute période on nous t'a amené de courage, en pile courage. Pour endurer douleur conséquence professionnalisme nous fait que nous gagnons
Quand vous voler ça qu'a parlé monsieur. Loyauté nous envers patrie nous, envers la loi maman loi pays. Attendez bien oui, loyauté envers patrie. Oh monsieur, on est cap déplacer pour aller dans pays comment il est Kenya pour aller ramasser fatra police senti force en bien vicieux voler parce que pas gagner pour venir traîner maintenant pays d'Haïti. Qui loyauté qui comment loyal là même. Ça veut dire loyal envers patrie ou oh pour nous traiter ton nation, traiter ton patrie et pour si vous loyal envers lui vicieux volant mais sans caractère vrai monsieur. Ah ben traiter la bouche de foutre péter fiel saloperie ça. Ah ben grave vous mettre là. Qui pas ouais même pas veut offenser mon Dieu mais si mon Dieu te ca font façon fait voler ça pendant à parler, il faut tomber sous face. Ah ben pas trop mentor. Ou même ça me dit ça veut dire que ce pas qui grave mettre là, yo pas sérieux, yo malhonnête, yo volant, yo vicieux, yo sans caractère, mais qui grave vous mettre là. Moi même m'a dit ça très bien. Ouais mon ça yo c'est des monde qui pas carré tout monde tendez. Le peuple là fout chou bois calé là. Ouais, you know, le peuple là t'a prend fort c'est benon zago. Y'a courir avec sous d'elle, m'a monté descend avec lui, décalé, dépatcha, dépatcha. Ouais, yo fait tout trop monde, yo tout trop monde. Vous comprenez? Yo tout trop monde. Entendez vieux voleur toujours qu'a parler, vieux renseur, vieux kidnapper, vieux voleur ben tout être président Jovenel côté nouyé. Un méchant. Pas parle avec nous aujourd'hui. Grâce à unité qui gagne le commandement la police. Grâce à unité qui gagne dans différents niveaux la police, dans la base de la police, là, permettent que nous arrivions à lever deux trois défis. Que la matière opérationnelle, que la bonne gouvernance institutionnelle, que la condition amélioration condition de travail policier. En matière opérationnelle, non seulement nous arrivons à limiter les dégâts, nous limiter les gangs. Dans zone de confort yo, pour protéger l'espace qui pas pollué yo, et protéger population pour que moun ka mené activité yo chaque jour mais nous réaliser des opérations de démantèlement tout tant que gang Timakak la boule Tigre Gadelma Makandal très bien oui gang Timakak la boule on c'est ouais gang Timakak là si c'est pas Toto la boule et Pep Thomasin 32, 25 commissariats, Thomas 25 avec des policiers qui peut-être désobéi avec l'ordre ou au commandement volant ça pour te accompagner population, nous pas qu'à dénicher gang ça. C'est sous commandement volant ça, yo touye Eric Jean-Baptiste. C'est sous commandement volant ça, yo touye et on pack 16 malheureux malheureux qui t'a traversé sorti 15 coffres pour aller zone Kafou, yo assassiné un enragé. C'est sous commandement volant ça. Yo coupé tête trois policiers dans la boule Timakak mette tête sur ligne. Elle touye plusieurs. C'est environ 7 policiers que Timakak te touye dans la boule 12 là. OK? C'est sous commandement volé ça. Timakak boule commissariat, il était même tenté pour commissariat Thomasin 25 là. C'est sous commandement volé ça. Volo en les petit vélo presque pourri net parce que son chef de gang qui tient tête la police, son ami vite l'homme. Ça veut dire que ça, zone métropolitaine pas d'après ton côté que pas gang. Et c'est sous monsieur même toute zone métropolitaine là. Envahi avec gang net. Entendez, chef de gang volo, kapisi rense la. Kite la ville tête li. Vole devant moun de bien. Oudelma, Fon Jean-Noël, Sodo, on cite ça ou seulement. Pendant période là, nous rive saisi 687 zames. Donc en matière de opérationnel, la police a fait un pile effort. Mais, comme nous connaissons, conditions pas faciles. Il y a deux ou trois personnes qui ne doivent pas rendre compte ça. Nous faisons pile d'efforts. Le travail pour une bonne gouvernance, nous prenons des mesures pour que la CENI institution. Côté que, en pile chèque retourne dans la finance. Et qui nous en pile opportunité, sans que nous ne demandions d'augmentation budgétaire, nous arrivons à prendre des décisions pour nous améliorer les conditions de travail policier de New York. D'un coup, nous arrivons augmenter substantiellement prime de risque pour unité spécialisée nous BI qui l'en commissariat yo et joindre de gratification périodique pour yo nous rivé régulariser grade qui baille pendant plusieurs années et te gain augmentation salaire tout là niveau la police nous travaillons ensemble au niveau commandement. Nous arrivons à travailler sur un projet de décret indemnisation pour les policiers qui sont blessés dans le cadre de travail nous, et par un policier qui est décédé dans
au cours de l'opération. Les projets, ça nous fin élaboré au niveau du commandement. Nous avons fait toute unité, dans tout grade, dans l'institution, participer dans la validation du projet. Ça. Et le projet, ça, nous avons soumis le gouvernement, dès lors, qui approuve et qui permet que aujourd'hui, il y a un cadre légal pour que l'on policier blessé l'opération, dans le cadre de service, il n'y a pas besoin d'un bon directeur général, Papa Boncoeur, pour que l'État prenne responsabilité et fixe 1, 2, 3, 4, qui ça qui revient en termes d'accompagnement aux policiers. Nous travaillons tous sur reclassification en encommandement. Nous avons un projet de plan de retraite spécial pour l'institution de la police. Là. Alors, maintenant, des noms, un petit patience, parce que nous avons un débit qui va parler là. Et directement, il va parler là. Et pour ti patience, on quitte volo ça, fin rancé, parce que pour nous capables de commenter, il faut nous tendre volo à tout, parce que ces derniers discours, discours à Dieu, vous comprenez, nous devons tendre volo à Kaplagi Piel, la vider les lieux. Et nous devons foutre la code, assassin, gang sale, Zami John Joel Joseph, reste avec Dimitri Vob, chien qui tape tout le monde dans le pays, et de nek tout le président Jovenel Moïse. Aïe, 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 garçon, nek ça nous prend code. Et en nous tendre volo à Kaplagi, avec un pile patience pendant que n'a quitté bagaille dans commentaire à vous. N'a quitté bagaille dans commentaire à vous, entendez? Avec un pile patience, mande nous ça. T'as pris. Pour que nous capables de former la grande famille policière, côté que nous ka gagné un mariage policier actif ak policier retraité. Je dis à nous en mesure pour nous dire gen policier actif, gen policier retraité. Et chaque côté où paraît un policier retraité, il y a pour côté servi la nation hein, pendant un bon bout de temps. Monsieur Normil a fait ses classes à la PNH. Ça c'est alors voler aller lui-même. Ça monde qui a parlé la Kounia, c'est ministre justice actuel. Et comment il s'appelle encore? Et non désolé, et Maître Carlos Ekil. Voilà, Maître Carlos Ekil, ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Il n'en haut gradé dans CSPN là maintenant. En attendant et ministre justice qui a installé nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, ou du moins ce qu'a fait un discours. En dedans avec un peu l'intérêt, peuple haïtien. Plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie, la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH, après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé il y a 29 ans à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population apolitique, neutre, impartiale, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son excellence le docteur Gary Conny dans une conjoncture encore plus difficile avec des défis encore plus grands. Et c'est le Premier ministre là, non, et de Dr. Gary Conny, justement, qui a pu remettre lettre de nomination, ou bien arrêté de nomination, bah, qu'on est, avec Normil Rameau. Alors, arrêté a sorti, monsieur, que ça c'est lettre là, justement. Et pour peut-être c'est là d'ailleurs, un document quelconque, qui a bâti avec Normil Rameau, qui est le nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. On nous garder et puis tout à l'heure nous allons attendre et déclaration yo. On nous attendre. Très bien.
Voilà. Situation difficile en pile. Maladie a en pile complication. C'est bon gens science, médecine scientifique à médecine feuille qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'y est pour nous faire, ce diagnostic-là d'abord. Fais examen yo, tout de suite, après pour connaître qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade. C'est un dialogue avec concertation, nous avons fait choix, monsieur Normil Rameau, pour le directeur général, pas intérim la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, c'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant, contre-rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être, cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Donc, faut-il comprendre ça? Ce n'est pas malheureusement à chaque fois haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Pas gagné qui fait effort après. Et alors, pour la première fois, je ne connais pas, je ne sais 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 pas, je ne
parler ou dans discours dans commence dans bas discours ou répéter de assassinat président Jovenel Moïse mais combat que m'a dit qui est important pour que mon yo capable comprendre pas ça et alors ou pas citer ou pas prononcer sur dossier assassinat président Jovenel Moïse peut-être que ou fait venir gon pied d'atteur pour qu'on gagne par contre soit fait tout et ou gon obligation pour qu'on fait on pas comprendre et maintenant ou qui doit pas gagner ce dossier chaud ou d'a pour qu'on veut fouiller mais on la dalle mais ou doit pas rentrer dans dossier Jovenel là et puis dans ça Jovenel Moïse t'a fait dans l'état rentrer là d'ailleurs de toute façon comme on fait venir chef police fait installer faut qu'on gagne contrôle police ou à partir de maintenant on capable commencer à organiser parce que sous gagne contrôle chef police ou maintenant et puis il commence à passer main et puis c'est vol dans la police a commencé voler voler aller marer voler police voler tout c'est ça tout et bien au foutu dans prison et comme c'est pas gagne deux choix. Ou qu'on bagay, parce que l'autre prend volant la gagne la ouyan, l'autre semaine, c'est ou qu'elle tourne photo section 9 fou, parce que Fonsel be d'ailleurs, gon chef qui d'ailleurs, gon chef qui charge la journamel qui d'ailleurs. Ça veut dire que je dis, hein, ce soit nous tous les policiers volant yo, ou bien nous foutons en prison. Par contre, vous comprenez. Parce que un policier qui vole, c'est même solde gagne avec chef de gang, ka sa pat la. Nous devons fusiller ou bien nous foutons en prison. Et mais qu'on ça que lié. Fok bon policier commence à lancer opération, fusiller policier volé, ou bien marrer policier volé. Même j'en ai besoin de fils et policiers, comment les bandits à Sapatio, ou bien fichu dans la prison, c'est même opération pour lancer. En outre, avec un pile intérêt, toujours direct. Alors, Premier ministre, Dr. Gary Conny, dans la cérémonie d'installation, nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, qui c'est effectivement DG Normil Rameau, qui est de retour, justement. Normil Rameau, nous avons, garçon. Par contre, soit porté, mais je trouve que nous avons. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois. Sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que la question de sécurité est devenue tellement complexe qu'elle sollicite l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour l'établissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le Budget. Monsieur le Directeur Général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police,
moment à vivre là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis deux semaines moi là effectivement moi j'ai le sentiment que n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis moi m'a suivi politique, des entités qui généralement a combattu une lot arrivé en tanyo, y arrivé font compromis son type de gouvernement de transition, y arrivé en tanyo son premier ministre, y arrivé en tanyo son gouvernement et je dis à n'arrivé en tanyo son chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Me senti grand mouvement et me senti que population commence à reprendre confiance là nous. Son gros responsabilité lié. Qu'on est grand pile là nous cap goumer depuis plusieurs années. Qu'on est grand pile là nous cap fait pile sacrifice depuis un pile année. M'a demandé nous kembe ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin et n'a avancé. Me content pile que me gagne DG a accepté responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer question insécurité à droite. Nous ne pouvons pas perdre une seconde, nous ne pouvons pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite pour nous voir qui ça nous a fait. Un, pour nous renforcer la police, là, pour nous battre la police, là, tout ça a besoin pour faire travail. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières qui accompagnent le travail. Ça. Pour nous garder comment nous avons intégré l'armée mieux dans le combat. Pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire. Pour nous faire toute entité de l'État jouer au lieu. Pour nous reprendre. Zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la. Voilà. Et un chef qui a parlé là. Ouais, son ça. Bam, son un chef. Là maintenant, c'est directeur général de la police nationale. C'est actuel directeur général de la police nationale d'Haïti qui c'est DG Normil Rameau. Normil Rameau qui, jeudi, hein, a présenté et alors, capable dit, a fait discours ça dans la cérémonie d'installation. Et en avance. Tête de l'institution policière. À laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie. D'accord. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Conille, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démiter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui traille population est. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividales femmes actives filles qui violaient. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui quittaient Caillou, qui décapitalisaient. C'est l'économie pays, paysan qui fin de pas fini. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelait ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'isla Kalong, nous accepter retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaît. Nous connaît tout temps, c'est pour action. Nous pas gain ni pour nous traîner pieds, ni pour nous trop presser. La police et la population doyon seul pour mener combat. Et c'est ensemble, n'a qu'à porter la victoire. Sem, frem, dame policier, moi sorti dans un trail, la police, là.
li gen 29 l'année. Moi gen même quantité l'année ça en dans li. Moi connais souffrance yo. Moi vive en mauvaise condition yo. Sacrifice la vie nous vin pi lou chaque jour. Bandi ak criminel pa ka continuer touye nous, rache nous ak boule nous, Jean Ovlé. Mais moi ça qui déjà tombé, pas doué jamais effacer l'institution la police là. Famille yo ap jwenn si pour qui la yote qui pi gros sacrifice que un citoyen ak citoyen ka fè pour pays. Ça qui blessé, handicapé ap jwenn accompagnement yo mérité. Nous jwenn assurance bon côté autorité l'état central yo. Président Conseil de transition, Premier ministre, là, yo d'accord déjà et yo gen volonté pour yo accompagner la police là. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travail. Nous bat bravo pour autorité centrale. Yo. Nous avons nous tous bat bravo pour le président conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même condition de travail avec la vie policière doit changer. Améliorer, c'est pour Lyon dans le plus gros choix de bataille. Nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime, nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogues. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égales valeurs pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre Dr. Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélisme. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Voilà. Et c'était nouveau directeur général de la police là. Maintenant, nous allons attendre. Alors, nous sommes des discours du nouveau directeur général de la police là. Maintenant, nous allons attendre. Et discours président Couleuvre 7 Traitlan, plus 2 traites, fait 9 Traitlan, qui c'est Edgar Leblanc. En avancé. Ce jour du 21 juin 2024, au nom du Conseil présidentiel de transition, de clôturer cette cérémonie d'installation de M. Ramon Ormil
comme nouveau directeur général par intérim de la Police nationale d'Haïti. Cette installation intervient à un tournant décisif de la vie nationale. Le pays connaît des moments obscurs. Le centre-ville de la zone métropolitaine est délabré à cause de l'insécurité grandissante. Les gangs, selon les données disponibles, occupent plus de 70% de la capitale. L'avenir de notre pays est sombre. Nos jeunes sont découragés. Ayant perdu l'espoir, ils laissent le pays. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence, mais surtout avec courage et détermination. Le pays veut respirer un nouveau souffle. Le Conseil présidentiel de transition a nommé un Premier ministre dont la mission première consiste à rétablir la sécurité sur tout le territoire national en vue d'amener le pays vers de nouveaux horizons. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti afin d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Savoir écouter, déléguer, faire preuve d'empathie, développer la capacité de travailler en équipe sont des qualités indispensables pour tout meneur de femmes et d'hommes qui veut réussir. Vous avez été nommé le 26 août 2019 à la tête de la PNH dans les conditions difficiles que l'on connaît. Cela vous laisse certainement la soif de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'échec et la capitulation ne sont pas envisageables. Sachez que vous serez libre dans le choix des différentes stratégies pour lesquelles vous aurez opté avec votre état-major afin de mener l'institution policière à bon port. Nous vous le garantissons. Le Conseil présidentiel et le gouvernement du Premier ministre Gary Conning n'exerceront aucune forme de pression sur vous. En effet, l'administration Conseil présidentiel Conning veut que la PNH reste une institution républicaine, apolitique, au service de la nation. Ce que nous vous demandons, c'est de vous élever à la dimension de la tâche difficile qui vous est assignée. Vous avez pour devoir d'être bientôt l'interlocuteur avisé du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité établie par la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU qui sera déployée sous peu dans nos murs. Monsieur le commandant-en-chef, en attendant ce déploiement, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter et les annihiler plus tard les activités des gangs armés en vue de gagner la confiance de la population qui a tellement souffert de ces malfrats. Ils ont pu s'assembler, se rassembler, pour lâcher plus de 4000 prisonniers dans la nature, y compris des présumés assassins du feu président Jovenel Moïse. Sachez que le Conseil présidentiel de transition, animé de la ferme volonté de pacifier le pays pour attirer les investissements, accueillir nos compatriotes de la diaspora, les touristes étrangers en vue de booster l'économie, compte sur votre leadership. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conning seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Je vous invite à faire l'inventaire des besoins de la PNH pour que les dispositions soient prises afin que cette institution républicaine puisse jouer le rôle qui est le sien dans cette conjoncture difficile de la vie nationale. Nous misons sur votre expérience à la direction
centrale de la police judiciaire et votre passage à la direction générale pour mettre les bandits hors d'état de nuire en attendant de les éradiquer du sol national. Mesdames, Messieurs, bon profiter pour me dire Jean Péya est là, nous besoin au PNH qui tout près population. Un PNH qui a pénétré communauté, qui a arrivé dans zone abandonnée, pendant que les exam yo arrivé plus rapidement dans zone sa yo. C'est pour nous serrer plus fort lien avec population. Nous recommandons une vraie police communautaire parce que j'ai yo besoin d'un rapprochement avec la police là. Dans ce sens ça, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement avec la loi. Je veux, en m'adressant au directeur général France LB, qui vient de passer le maillet au nouveau commandant en chef de la police nationale, lui exprimer ma reconnaissance pour tout l'effort déployé dans une conjoncture particulièrement difficile pour soutenir la progression des gangs armés dans la zone métropolitaine. Vous avez servi à la mesure des moyens disponibles, le pays. Vous resterez toujours un haut gradé de la PNH. Ainsi, vos conseils, je n'en doute pas, pour la bonne marche de l'institution, seront-ils très appréciés. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Jouette pour population Apton. Voilà, et justement, jette pour population Aptanon. Et monsieur lui-même, et chaque discours, monsieur, toujours fini avec une parole qui est extrêmement importante. Bon, parce que, monsieur qui a capacité ça, naturellement. Son équipe a besoin de arriver là, tout. Bon, arriver là, fait chèl bon garçon. Sauf que, de ces résultats, nous avons cherché nous-mêmes. Le ministre, jette pour population en main. Eh bien, population, DGA tout. Pour la population qu'on a déjà dans mes autos. Parce que la police n'a pas fait sans information. La police n'a pas fait sans. Ça nous capable de brûler renseignements. Et la police a fait. Et Jean le fait là.